Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ce dernier, je vais vous parler aujourd'hui donc d'un Transformers toujours issu de la lignée Titans Return. Voilà, donc plus précisément d'un petit Legend, donc le petit père Stripes, voilà, qui accompagne normalement Blaster. Hop là, voilà. Le petit père Stripes, donc qui était sorti tout début de la vague 1, voilà. Que j'ai reçu en cadeau toujours par mes potos Frangin, David et Fabien. Voilà, donc j'ai eu le temps de faire mes muses un petit peu avec. Donc après avoir parlé de Rewind la semaine dernière, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un Autobots, voilà, un cassette, un mini spy, donc qui accompagne normalement notre ami Blaster. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place tout de suite au grand barbu et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, ciao les amis. Voilà. Comme vous le disais toujours avec autant de joie, mon mini moi, je vais vous parler aujourd'hui du petit Legend Stripes, dont voici le packaging. Voilà, sorti donc dans la vague 1 de la gamme Titans Return. Voilà, donc petit triple changer. Alors petite tablette donc qui accompagne notre ami Blaster. Alors je ne connaissais pas trop Stripes au début. Je vous l'avoue, j'ai même pensé à un moment qu'il s'agissait de Steel Joe. Voilà, du fait que ce soit un tigre. Mais non, en fait Stripes donc est bien un membre à part donc de la team de Blaster. Voilà, donc je ne savais pas, j'ai appris quelque chose. Donc il possède beaucoup de. Enfin Blaster possède beaucoup d'animaux sauvages en fait, en son torse. Voilà, donc en ce qui concerne le packaging, nous avons voilà le sempiternel et traditionnel petit packaging légende, rien de transcendant, avec le petit art, voilà, juste ici, qui est quand même relativement sympa, quoi, bien, bien fichu. Voilà. Au dos, donc, nous avons les trois modes de notre ami Stripes, donc à savoir le mode tigre, le mode jet et le mode tablette espion. Voilà, donc rien de particulièrement transcendant là-dedans. Voilà, et toujours donc notre ami Blaster que je ne possède également toujours pas. Donc je vous ferai peut-être une petite démo avec Sundi. On verra bien. Donc voilà en ce qui concerne le packaging. Donc niveau contenu, rien d'exceptionnel. La fameuse petite notice et puis la petite carte collector que voici. Voilà où nous retrouvons donc le superbe artwork qui était présent sur la boîte. Alors voilà petite mise au point, un peu capricieuse aujourd'hui. Voilà un petit peu donc ce très bel art, hein, vraiment vraiment très dynamique. Et puis donc les stats de notre ami Stripe. Voilà. Donc quand même assez évolué hein, pour un mini spy. Voilà donc maintenant, hop, sans plus tarder, voici la présentation de notre ami Stripes. Alors j'espère que ça va bien ressortir sur l'image, parce que les autocollants sont quand même très très brillants. Alors on retrouve toujours ce mode tablette en fait, donc avec l'émission du signal, le réseau Wi-Fi. Voilà l'indicateur de batterie. Ici donc les messages, les mails, les dossiers, enfin bref, voilà, donc cette petite tablette espion, hein. Ma foi, assez sympathique. Donc un peu moins discrète que Rewind, si on reprend cette dernière en comparaison. Rewind, voilà, était un petit peu plus discret, donc on peut penser que cette tablette a été pourvue d'un sticker de type jungle un petit peu. Voilà. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que pour deux tablettes, donc elles sont quand même complètement différentes, hein, même si on retrouve l'esprit principal de cette tablette. Voilà, les deux transfos, les deux modes sont bien entendu complètement et diamétralement opposés. Voilà. Donc le seul vrai reproche que j'aurais à dire sur ce Stripe, c'est, on va dire, la qualité des matériaux employés. Les plastiques utilisés pour fabriquer ce dernier sont pour moi de très très mauvaise facture. Voilà, je vais être un petit peu vache, mais bon, c'est un triste constat quand même. C'est qu'en termes de qualité, voilà, on a du plastique digne d'un KO ou limite d'un bootleg. Donc très très déçu à ce niveau-là. Voilà. Donc comme toute tablette, nous retrouvons le petit gimmick de sa consœur, donc Rewind.
Donc à savoir que nous avons, voilà, si je le mets dans le bon sens, voilà, donc nous retrouvons notre port casque, notre port jack 3 mm, hein, pour y brancher un casque, pour donner l'illusion. Donc toujours, toujours sympa ce petit ajout. Et comme je vous le disais, donc on peut faire un essai avec notre ami Blaster, notre ami Soundwave, à défaut de ne pas posséder Blaster. Alors, j'ai mon focus qui est vraiment extrêmement capricieux aujourd'hui. C'est une catastrophe. Vais-je y arriver? Voilà, donc la mise au point est réussie. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, je retire cette espèce de chose. Voilà, et je vais donc y glisser notre ami Stripes. Alors, ok, hein, c'est pas Blaster, c'est Soundwave. Mais c'est simplement, comme les molds sont identiques, simplement pour vous faire voir, voilà, de la compatibilité de ces petites tablettes. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Pour le mode transformation jet, donc la transformation est plutôt très simple. Alors vous sortez, voilà, ce qui vient former le nez de l'avion. Vous sortez son train d'atterrissage, comme ceci. Vous déplacez les petits panneaux avant de façon à former les ailes de ce dernier. Et puis, donc, vous sortez les pièces comme ceci, à l'arrière, voilà. Et nous avons notre ami Stripe transformé en jet. Voilà, opération extrêmement compliquée. Bon, ça reste un triple changer, hein. C'est quand même sympathique d'avoir cette petite voilà, cette petite fonction de voilà, trois transformations en un robot. Bon, ceci dit, c'est vrai que par rapport à un Rewind, on a quand même quelque chose de, je trouve, beaucoup moins abouti. Voilà. Voilà en ce qui concerne un petit peu donc notre jet, donc on retrouve bien entendu le petit cockpit, voilà, le train d'atterrissage, les ailes qui caractérisent un avion, voilà, les petites ailettes à l'arrière. Le turbo, et nous retrouvons ici donc voilà, deux petits mini ports qui nous permettent de pouvoir y placer un Titan Master. Alors on va essayer avec Go Shooter. Et c'est pas évident parce que les ergots sont trop petits. Ouais, et donc malheureusement la figurine ne tient pas dessus. Ah, c'est un petit peu dommage. Ah, c'est voilà, c'est un peu pénalisant. Hein. Les ergots sont beaucoup trop fins. Sont beaucoup trop fins donc pour pouvoir clipser correctement un petit Titan Master alors que c'était quand même initialement prévu. Alors je vais quand même refaire un petit essai. Voilà, ouais, c'est voilà, ça tient, mais c'est vraiment pas voilà. C'est approximatif, on va dire. Voilà, notre ami Go Shooter, hein, voilà, il penche la tête, il se demande ce qu'il fait là. Le pauvre petit père. Voilà donc pour le mode jet. Excusez-moi. Donc nous allons repasser au mode tablette. Alors je vais faire ça en coulisses. Voilà, donc nous avons retrouvé notre Stripes en mode tablette espion, voilà, et donc nous allons pouvoir passer à son dernier mode alternatif, donc qui est pour moi le principal, à savoir donc le mode tigre. Alors pour ce dernier, donc même opération plus ou moins que pour le mode jet, c'est-à-dire que nous allons venir écarter voilà ces petites parties sur les côtés. Nous allons sortir ce qui va former la tête de notre Stripes, la queue, et ensuite donc vous déclipsez voilà les petites pattes qui se loquent juste ici et vous faites un quart de tour comme ceci, voilà, vous positionnez les pattes arrière, ainsi, idem ici,
Et ensuite, il n'y a plus qu'à sortir les pattes avant. Hop. Hop. Tac. Et voici notre ami Stripes dans son mode panthère, enfin dans son mode tigre, Henke! Voilà. Donc plutôt sympa, hein. Y a pas grand-chose à dire. Donc la figurine donne un petit peu plus. Enfin, je trouve qu'elle est, voilà, elle rend mieux que le mode jet. On peut s'attarder notamment sur les détails du visage. Voilà, pour se rendre compte quand même qu'il y a eu un chouette boulot d'apporter, hein, à ce niveau-là. Voilà, une peinture légèrement métallique. Voilà, les crocs et les yeux qui ressortent donc en silver. Voilà. Mais après, bon, c'est vrai que c'est un peu chiche en termes de finition, hein. On a du orange, on a du noir, voilà. On a même un cockpit en guise de queue. Voilà. Mais bon, c'est vrai que moi, personnellement, ce personnage me fait quand même plus penser à Steel Joe. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a de fortes chances pour que le mold soit réutilisé pour faire Steel Joe. Voilà un petit peu. Donc, on peut faire un autre comparatif donc avec notre ami voilà Willy de chez Takara pour voir un petit peu donc pour se donner une idée donc de l'échelle de ce dernier. Hop. Alors, c'est la papa de Foucan. Voilà. On va monter un petit peu tout ça. Alors, comparaison à présent avec notre ami Rewind. Et dernière petite photo de famille, donc en compagnie de Chrome Dome, de Rewind, de Willy. Voilà. Dommage, il ne manque que Tiger Trax pour accompagner notre ami Stripes, puisque normalement les deux sont pas indissociables, mais ils ont quand même eu l'occasion de faire équipe à de nombreuses reprises. Donc voilà pour la dernière petite photo de famille. Voilà, donc nous avons eu l'occasion de faire le tour maintenant de cette figurine. Alors, mes conclusions, cette figurine en vaut-elle la peine? Très sincèrement, je dirais non. Pourquoi? Parce que au vu du prix de l'objet, au vu du prix du Transformers, on est quand même à plus de 10 euros. Les plastiques sont cheap, la transformation et tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai un peu de mal pour une fois à être quand même objectif avec un Transformers. Ce qui me chagrine le plus, c'est le rapport qualité-prix, parce que je trouve que les plastiques, contrairement à Rewind ou aux autres Titans Return, là, les plastiques de celui-ci font trop bootleg. Pour justifier un tel prix. Voilà ma conclusion. Donc après, chacun fait comme il veut. Je crois qu'il y a des membres plus importants à posséder que Stripes, personnellement. Donc voilà, hein, bien réfléchir, bien peser le pour ou le contre. Maintenant, ça n'en reste quand même pas moins une figurine sympathique. Mais pour le prix, non, je suis pas trop d'accord. Voilà. Donc c'est ainsi que s'achève donc ma revue Transformers du week-end. J'espère que cette dernière vous a fait passer un beau moment et vous permettra peut-être de réfléchir quant à l'achat de cette dernière. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros câlins, plein de gros bisous et à très bientôt les petits amis. Allez, bye bye, tchuss! À bientôt, les amis!